Eh ben salut à tous et à tous, c'est Antoine Ender. Aujourd'hui, capturer les objectifs. Et bien deux gameplays. Tout d'abord, le premier Alpha sera sécurisé. À la FN Fall, sans le sélecteur de tir, juste poignée ergonomique et viseur laser sur turbine. Et l'autre sera au Ballista, si je me souviens bien. Oui, ça sera au Ballista, sur Dalton. Donc la deuxième partie aura été faite aujourd'hui, il y a une heure. Donc et alors, plein de nouvelles. Parce que ça bouge, c'est Anthony Ender. Tout d'abord, j'ai commandé un ASD PVR. Et oui, donc première vidéo sur Xbox. Bah oui, parce que je l'avais déjà. Donc première vidéo sur Xbox, sur Minecraft édition Xbox. Oui, voilà. Donc, voilà, ça bouge. Plus un petit soutien à Diablo X9 qui traverse une mauvaise passe. Ben, on traverse tous. Hein. Moi, par exemple, j'ai un rhume. Ouais, un rhume ou une grippe, on sait pas si c'est une mauvaise passe, mais bon. Pour moi, c'est quand même une mauvaise, parce que obligé d'aller dormir à 20h tellement que je suis fatigué. Soutien à Inglorious Zozo, qui lui aussi va mal, comme il l'a dit dans sa dernière vidéo. Au pacificateur sur, si je me souviens bien, c'était la map avec le skateboard. Donc, on est sur PS3, je l'ai oublié de le dire, et c'est le saison passe. Donc oui, première vidéo que j'aurai, je vous le ferai sur le nouveau pack. Donc à mon avis, vous devez sentir un petit peu que je suis enrhumé. Et des fois je me dis, pourquoi les mecs ils m'attendent. Je sais, je viens couper comme ça, mais j'ai l'impression que les mecs ils savent que je vais venir sans qu'il y ait drone. Bon d'accord, on va me dire lobby radar, mais bon quand même, déjà le lobby radar là, d'accord, ça peut se comprendre, mais des fois ils avancent comme ça avec leur cross et ils... Voilà, petit chapitre terminé. Je vais vous dire, voilà, on va commencer tout doucement l'année. Donc tout simplement bonne année à tous. Je pense que j'ai oublié de vous le dire, ça fait déjà au moins un mois que je suis en retard, donc veuillez m'excuser. Mais tout simplement, si je pouvais pas faire de vidéo, c'est parce que tout simplement, il faut tout d'abord le gameplay. Je vais pas vous proposer du 0.35 par exemple. Mais là, je suis sur plusieurs petits projets. Ah oui, le deuxième gameplay sera une petite réponse à Darkness Boy, qui vient de sortir une vidéo sur sur le Ballista. C'était bien ça, je pense qu'il avait fait une belle partie. Vous avez eu peur, hein. Je suis un enfoiré, hein, les gars. Ah non, mais franchement, là, je crois que ça va me faire rire dans les commentaires, je le sens. Je sens que vous allez m'insulter de tous les noms. Et oui, je suis un enfoiré. Donc, dans cette partie, je vais avoir mon tout premier Dragonfire au FN Fall, quand même, sans le sélecteur, faut quand même y aller. Je n'avais pas de Rapid Fire, hein, je tiens tout de suite à le dire. Je joue avec la première manette de PS3, la manette PS3 qui est fournie. Par contre, j'ai juste arraché le sur les sticks analogiques, celui de droite, voilà. J'ai arraché l'espèce de petite peau parce que c'était pas vraiment confortable. Enfin, pour ceux qui ont la PS3, vous savez ce que je veux dire. Alors, tout simplement, l'ASD PVR, ça sera l'ASD PVR 2 Gaming Edition. Donc, qui va me permettre de faire beaucoup plus de vidéos parce que je pourrais les filmer quand je voudrais. Donc, ça sera assez pratique. Par contre, là, je pense que le micro va pas. Ah, si, il va. Tout excusez-moi, voilà. J'arrive plus à parler, en fait. Je crois vraiment que c'est mon rhume. Et en plus, on est seulement à 3 minutes. Je vais devoir faire ça pendant une vingtaine de minutes. Oui, donc mon retour, tout simplement. J'avais fait beaucoup de montage, par exemple une vidéo remixte de Diablo X9. Mais tout simplement, c'est parce que j'avais pas le gameplay. Donc là, je viens d'obtenir mon foudroiement. Là, je vais viser les bonnes positions. Je vais avoir, si je me souviens bien, une triple. Ouais, c'était bien une triple. Donc, tout simplement, si je faisais des montages, pourquoi? Pour pas que vous soyez en manque un petit peu de Anthony Ender. Là, je voyais que le mec, j'allais pas l'avoir, alors j'ai préféré reculer et Dragonfire. Mais bon, il restait que 40 secondes, je me suis dit, je vais quand même pas le balancer maintenant. Autant le garder pour la prochaine manche. Donc, j'ai survécu tout un chargeur, toutes mes munitions de FN Fall, donc c'est-à-dire, voilà. Là, j'ai voulu jouer un petit peu le kéké, mais là, j'ai été bloqué, de base. Alors, prochaine vidéo. Ah oui, il va falloir quand même parler un petit peu de l'avenir. Normalement, je crois que je vais devoir attendre mon ASD PVR. Mais si jamais je
pense pouvoir continuer à faire un petit peu des vidéos. Seulement, il me faudra seulement quand même des assez bons gameplay. Alors, Darkness Boy 60. Il est temps de parler un peu de tout le monde. Darkness Boy 60. A sorti déjà une vidéo, donc la deuxième partie sera au Ballista sur Turbine. Et essayons de battre le score. Mais je pense que ça sera pas très possible. Attention, là il va y avoir un screamer. Non, je déconne. Je suis pas un enfoiré. Et boum, un screamer. Non, peut-être pas. Peut-être que si. Non, mais je pense que je vais faire une vidéo sur Slender. Slender. Eh oui. Ou SCP-087-B. Là, je venais de sortir mon Dragonfire. C'était la première fois que je le conduisais. Et je dois dire, c'est quand même assez facile à conduire. Par contre, là, il m'avait fallu une bonne rafale de balles, là. Mais sinon, il bute les ennemis assez facilement. C'est abusé. Mais dans la mise à jour, il y aura moins de cadence de tir. Et il restera plus longtemps. Donc, il faudra plus de difficultés pour le péter. Donc, on va un peu parler de tout, de tout, de tout. Mais oui, en fait, j'ai pas préparé la vidéo. Du coup, je sais pas à quoi parler, je sais pas à quoi dire. Alors, on parle un peu comme ça. Et donc, je vais un peu vous parler maintenant de ma vie. On va arrêter tout le temps de parler des gameplays parce que ça... C'est un petit peu tendance, des fois, à m'énerver, moi. Des youtubeurs qui restent comme ça et qui parlent pendant 10-15 minutes juste du gameplay et qui on apprend un peu rien sur eux, hein. Bah moi, récemment, normalement, on m'avait annoncé que pendant 4 semaines, ma prof de néerlandais serait pas là. Ah, quel bonheur, jusqu'aux vacances. Jusqu'au moment où on a récupéré une autre prof, une remplaçante. Madame Pire, y a pas Pire. Oui, ça s'écrit vraiment comme Pire. P-I-R-E. Putain, avec elle à sa cour, je me tape une migraine de malade. Du coup, quand elle est pas là, je crois que je préfère l'étude. Je préfère largement me taper une migraine de Call of Duty que me taper une migraine d'école. Donc, si jamais j'ai oublié de le dire, je suis enrhumé. Donc, c'est peut-être pour ça un petit peu que ma voix change. Donc là, franchement, je pense faire des vidéos de plusieurs types maintenant. Donc maintenant, on va vraiment faire plus que du Call of Duty. On va faire quand même du Battlefield grâce à l'ASDPVR. On va pouvoir faire du Minecraft grâce à l'ASDPVR. Et franchement, je pense que ça va être plutôt pas mal. Parce qu'avec l'ASDPVR, je pourrais enregistrer. Et avec le Power Director, je peux monter. Donc le Power Director, franchement, c'est avec ça que je vais continuer à monter mes vidéos. Franchement, c'est plutôt pas mal comme installation, le Power. Voilà. Ensuite, pour le soutien à Diablo X9, encore une fois, bah tout simplement, on traverse tous une mauvaise passe, hein. Donc lui, il a atteint le million d'abonnés et il doit être quand même un peu déçu de ce qui lui arrive, hein. Je vais pas dire quand même, sinon vous avez qu'à aller voir sa vidéo, mais je pense que vous le connaissez tous, hein. Un million d'abonnés, un million de chances que 1 million de chances sur 10 que vous soyez abonné à lui, hein, quand même. Non, 1 million de chances sur 14. Et oui, on a atteint les 14 abonnés, franchement. C'est un truc que j'attendais pas. Moi, je pensais vraiment m'arrêter à 5 abonnés. À m'arrêter vraiment. Ceux qui démarrent sur YouTube. Enfin, qui démarrent. Pas qui font des vidéos, mais qui viennent de se créer un compte et qui me voient. Mais franchement, 14 abonnés, vous imaginez pas ce que ça peut me faire. Alors, comment dire. J'ai hâte d'avoir quand même 50 abonnés. Là, franchement, je crois que. Là, je vais faire une petite double. Je sais pas comment ça se fait, mais habituellement, j'aurais tiré sur l'autre. Donc là, ça avait eu pas mal de sens. Et ouais. Donc, soutien à Glorious Jojo qui, ben, comme il dit là, le début de l'année, pour lui, c'est toujours mauvais. Ben, moi, non. Ça a été plutôt bon. J'étais en bonne voie, moi. J'étais passé des vacances à la mer pendant une petite semaine, mais j'avais pris ma console, hein, et geek un jour, geek toujours. Alors, on le reste, hein. On l'est ou on l'est pas. Donc, ensuite. Ouais, parce que moi je me souviens pas. Il y a des youtubeurs, ils écrivent sur un petit papier ce qu'il leur faut, ou même ils ont le truc juste à côté d'eux, et ils parlent comme ça. Franchement, ça c'est quelque chose que je ne réussirais pas parce que moi le dire comme ça, on le sentirait trop à ma voix. Alors, moi je parle un peu comme ça, voilà. C'est de la totale improvisation.
Alors, les lives. Donc, vous avez sûrement dû voir retour dans le commentary dans les Call of Live. Bah oui, on va faire bientôt des lives. Autrement dit, je prends la vidéo. Donc, elle sera pas totalement commentée. Hein, des... Ils se feront quand j'aurai mon as DPV, tout simplement. Comme ça, ça me facilitera pas mal la tasse. Hein. Split, hop, capture d'écran. Ça sera pas mal. Franchement, je trouve que les lives, ça rapproche un peu plus la communauté. Seulement, je pense que... Franchement... Voilà, donc le gameplay s'enseigne automatiquement. Hein, donc là, c'est le gameplay au balista. Hein. Bon, Darkness Boy, tiens-toi bien, voilà. Oh, je vais y arriver. Tiens-toi bien, voilà. Oh, purée de... Tiens-toi bien, voilà. J'ai la lâche du sniper. Non, je rigole. Je suis totalement une bite. Franchement, je suis totalement une bite au sniper. Donc oui, les Call of Life, tout simplement. Comme je l'ai dit, on prend une partie que j'aurais tout simplement fait en direct et donc que je ne commenterai pas après comme je suis en train de le faire. Par exemple, là, j'ai fait 4 tentatives jouables ce matin. Je m'arrête à 17-0 à cause d'une putain de PP90. Ah là, je peux vous dire que là, j'aurais dû mettre des bips. Hein. Insulter tous les noms, PP90, en campant, en posant des claymores et en posant, je sais pas quoi, mais il avait posé, ah oui, des systèmes trophy, voilà. Donc il pose son système trophy et il campe, donc, des A2-1, la PP ça m'énerve, alors, bon, moi c'était pas mieux, j'ai tenté la MOAB avec la MP5-15 silencieux viseur laser. Donc, non, la MP5, voilà, purée, pourquoi je la confonds tout le temps avec la MP5? Donc, le DLC, moi franchement je pense que voilà, premier coup de scope, premier coup de scope de la partie, mais bon, en étant collé, je crois pas que les phase war tech vont, enfin que les phase vont faire attention à moi, c'est un truc énorme. Donc, comme j'avais dit, vu que je suis malade, je reste souvent au lit, donc du coup, c'est clair, des parties de Call of, ils vont s'enseigner, donc du coup ça va me permettre d'avoir plus de gameplay. Là notamment j'avais 4 gameplay, mais vu que le mode studio avait été fermé, on me les a supprimés. Vous avez fait du 29 à 0 en MME. Ça m'a fait vraiment péter un câble. Voilà. Alors aussi, je tiens à dire mon soutien à tous les premiers youtubeurs donc qui commencent leur scène et qui ont 0 ou 1 abonné, voire plus. Bah je leur apporte mon soutien parce que tout simplement monter dans YouTube c'est un peu dur avec maintenant des Monsieur le V12, Diablo X9, Cyprien. C'est un peu dur de se lancer. Petite triple à la grenade, petite double pardon à la grenade en passant. C'est un peu dur de se lancer dans YouTube quand il y a déjà les grands qui ont plus de Diablo X9 et Cyprien, 1 million d'abonnés. Hein. Et Monsieur le V12 en a plus de 500 000. Oui voilà, 500 000. Bah tout simplement c'est un peu dur de se lancer dans YouTube donc voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire mais là maintenant je pense qu'on va un peu parler du gameplay non? Ouais. Alors là j'étais avec le sniper, donc le balista avec processeur balistique et camouflage Sibérie, voilà. Donc vous voyez c'est quand même bien les aligner d'un coup. Donc oui, là j'avais voulu. Mais quand vous voyez que vous ne saurez pas jouer au sniper suite d'armes quand vous l'avez loupé votre quickscope, sinon l'ennemi ne croit pas qu'il va vous laisser le refaire. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais faire un peu des kills au B23R ou au B23. Non, B23R, voilà. Donc le B23R avec aucun accessoire. Hein. Le balista. Bah oui, le balista. Je n'arrive plus à parler, au secours. Au secours, au secours, au secours. Donc, comme je le disais, c'est dur de se lancer sur YouTube, mais faut bien se lancer un jour. Et si vous n'étiez pas là au début, il y a des sets communautaires, tels que Play Comedy Club, par exemple, pour se faire connaître si vous faites surtout des parties fun. Par exemple, une fois, ça m'avait fait bien rire. Des mecs, ils avaient fait un infecteur en partie privée, donc... ça devrait plutôt être pas mal s'ils rajoutaient ça sur Black Ops 2. Les maps sont plutôt intéressantes. Par exemple, ici, je m'imagine bien de voir les repousser par la fenêtre et les repousser par l'autre côté aussi. Ça promet d'être marrant si jamais ils le mettraient.
Le mode tournette du zombie, franchement, il devrait être plus réaliste parce que là, j'ai vu quelques petites vidéos. Les zombies ont l'air de courir un peu trop vite. Franchement, vous pouvez rien faire, surtout quand vous switchez d'armes que j'ai vu. Donc là, il y avait pas mal de mon équipe qui campait ici. Je me suis dit, allez, on va essayer de faire un kill. Bien généralement, je reste ici jusqu'à faire un kill. Donc, ce gameplay, normalement, je vais finir avec du 22-12, à moins que ça ait changé au moment où je l'enregistrais. Bah, là, je venais de regarder les scores. J'ai pas eu le temps de le voir, par contre. Donc, bientôt, les vidéos avec Padropio, qui a un petit souci de connexion Internet. Donc, Padropio, si vous voulez, vous pouvez l'appeler mon père. Parce que c'est un nom de prêtre, voilà. Donc, j'ai mis une vidéo de Dead Space 3 en condensé seulement. YouTube n'a pas voulu l'accepter. Donc là, la première manche venait de se finir. Hein. YouTube n'a pas accepté parce que j'avais fait des fragments trop petits. Donc c'était un condensé de mes moments où j'avais le plus peur en fait. Et bah, YouTube n'avait pas accepté parce qu'il y avait des scènes qui duraient moins de 2 secondes dans une seule vidéo. Donc la vidéo elle dure déjà plus de 3 minutes si je me souviens bien. Et ça veut pas accepter des trucs de 2 secondes. Vraiment. Merci, j'ai fait ça pour rien. On a pris le contrôle. Donc, comme je l'ai dit, les vidéos. Grenade. C'est pas ce qui importe. Faut vraiment être sympathique, faut pas être quelqu'un qui arrive sur YouTube et qui se dit. Bon, alors, Diablex9, hop, message, veux-tu faire une vidéo avec moi? Hop. Ça c'est clair, je crois pas qu'il va vous répondre parce que 1 million de. Le mec, ça veut dire 1 million de mecs par vidéo qui va le regarder. Il sort une vidéo, il va y avoir 1 million de vues directement. Donc, je crois qu'il va y avoir au moins 2 millions de commentaires d'un coup. Donc, je pense pas que, voilà, votre commentaire, je crois qu'il s'est camouflé dans la brume. Hein. Donc là, j'avais fait mon kill, donc j'étais assez content. Et là, je veux faire un beau quizcope. Assistance. Voilà. Donc, alors, je vais bientôt ouvrir mon serveur Minecraft Xbox. Tout simplement, le serveur Minecraft Xbox sera ouvert. Vous aurez un coffre. Ça sera de la survie tout d'abord. Puis ensuite, d'un coup, en fait, tout le monde est obligé de se retrouver sur un chat. Tout simplement, vous m'aurez en ami. Donc, je créerai le chat. Et au moment où je lance le serveur, je crée le groupe. Et je charge la map. Tout simplement, et vous jouez comme ça. Vous pouvez faire des constructions et tout. Un seul mot d'ordre, voilà. Interdiction de s'insulter, de casser les trucs des autres, sauf si c'est sur votre terrain. Ou bien on fera en créatif, tiens. Un serveur créatif, ça serait pas mal, non? Enfin, on verra. Je pense pas que le serveur ça va tenir longtemps. Je pense que vraiment, quand j'aurai beaucoup d'abonnés qui m'accepteront en un. Qui me demanderont, pardon, un ami. Et ben, je pense que là, le serveur, je crois qu'il pourra rester un peu plus longtemps. Parce que tout simplement, ça sera pas que moi qui aurai le serveur. Je le mettrai à celui qui serait le plus souvent connecté. Ouais, là, j'ai essayé un petit noscope, mais bon. Je suis pas un Wartech, hein, moi, je suis juste Anthony Ender. Donc, je pense que je vais vous laisser profiter du gameplay jusqu'à la fin et. Enjoy! Mais non, hein, je vous laisse pas comme ça, vous y avez cru, hein, vous et le. Non, vous avez cru que j'allais encore vous faire un truc d'horreur, mais non, je suis pas un aussi grand salaud que ça, hein, moi. Je suis juste. Je suis peut-être un enfoiré, mais bon, je suis pas un salaud qui vous laisse comme ça et qui. Mais... Et poum là, hein, screamer, et non. Non. Donc on va parler pour le reste du gameplay là. Petit quickscope. Je fais un quickscope, y'a rien. Je vois un ennemi, hop. Défenseur. Je vise, là il y a tout le temps quelqu'un. Je vais secourir mon allié. Drone. Hop. Je balance le drone. Je le balance pas. Je le balance pas. Je balance une grenade. Je vois pas l'ennemi. Je le vois. Je me fais tuer. Je suis dégoûté. Bref, j'ai joué à Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops 2 qu'il faut préciser. Donc on arrive à la fin du gameplay tout doucement. Là je vais pas mal être dégoûté à la fin.
Franchement, je vais vraiment être dégoûté. Franchement, j'obtiens mon drone. Je fais une petite double, si je me souviens bien. Ouais, j'obtiens mon drone en faisant une double. Là, j'ai essayé de jouer à Takin-san. Là, j'ai essayé de lui foutre le canon de mon sniper dans la bouche. Mais ça, il a pas voulu, il a pas accepté. C'est là que je pense que je vais commencer à les enchaîner un petit peu plus rapidement. Hop. Là, je pense que je vais. Pam, voilà. Pam, voilà. Et là, je vais tout balancer d'un coup en espérant. Eh ben non! C'est la fin de ce gameplay. Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Antoine Yender. Peace and joy!